femme, j'aimerais te dire une chose. L'heure vient et elle est déjà venue. J'annonce à quelqu'un aujourd'hui une nouvelle ère, changement de saison. L'apôtre Douglas Kyogeka. Jésus-Christ,
je t'ai tombé. Tu viens me relever. C'est toi ma gloire. C'est toi ma gloire. Et ce soir, tu relèves ma tête. 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 J'étais perdu. J'étais perdu. Et ce soir, tu me retrouves. Tu me retrouves. Ce soir, tu me mets sur le pouvoir de ta destinée. Mes destinées sont entre tes mains. Ma vie est entre tes mains. Ma famille est entre tes mains. Ma famille est entre tes mains. Ma maison. Mes études sont entre tes mains. Mon travail est entre tes mains. Jésus, Jésus, Jésus. Oh, mon sang de gloire, oh, glory. We don't be mighty, I'm a second, I'm a brother. Et que y'a mort, chante-le, chante-le. Que toute ma vie te glorifie. Arrêtez de prier.
Jésus, 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 je t'appelle, Jésus, je t'invoque, Jésus, je t'appelle, Jésus, je t'invoque, invoque-le. Yes!
Jésus, tout est pour lui.
seul la gloire, l'honneur, la louange, l'élévation des actions des grâces aujourd'hui et à jamais dans le précieux nom de Jésus. Et nous disons amen. 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 Oh Ramasha Kadabra. Nous pouvons reprendre nos places quelques minutes. Nous voulons partager rapidement quelques pensées du Seigneur ce soir. Je voudrais apporter une exhortation sur le thème la saison du ciel ouvert. Aide-moi à dire à ton voisin, nous sommes dans la saison du ciel ouvert. Non, c'est une parole prophétique pour si la cité d'exaucement, nous sommes dans la saison du ciel ouvert. Amen. Amen. Prenons nos Bibles rapidement dans le livre de Luc au chapitre 3. Nous lisons le verset 21 au verset 22. On nous dit tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe et une voix se fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Amen. Ciel ouvert. Lola Polélé. Pour comprendre la notion du ciel ouvert, il faut comprendre que la Bible nous présente comment est-ce que la Bible définit le ciel. Le mot ciel nous parle de plusieurs choses. Ou je dirais, dans le mot ciel, nous pouvons voir plusieurs sortes de ciel. La Bible nous en présente trois. Oui, la Bible présente le premier ciel comme étant l'atmosphère et le firmament. Vous le voyez dans Genèse 1, verset 6 à 8. Quand Dieu a créé la terre, il a créé le monde, il a créé l'étendue. Et cette étendue que vous voyez, qui est visible, où pouvons voir les nuages, différents types de nuages, avec différents types de sphère, cette étendue qu'on appelle espace qui est là au-dessus de notre tête, qui est comme une sorte de voûte circonscrite par l'horizon, c'est ça qu'on appelle le premier ciel. C'est de ce ciel que viennent la pluie, la neige. Oui, Dieu nous donne cette pluie à partir de ce ciel, à partir de ce système qui se produit, l'évaporation, après ça devient des nuages et puis la pluie descend. Mais toujours dans le premier ciel, la Bible nous parle du firmament. C'est comme cet espace qui semble infini, là où on retrouve la multitude des astres. C'est le ciel sidéral au-dessus de l'atmosphère. Et c'est là que nous retrouvons des planètes, des systèmes solaires, des galaxies et des galaxies. Les scientifiques ont fait des études et ont constaté qu'il existe des centaines et des milliards de galaxies. Et nous sommes dans la galaxie qu'on appelle la Voie lactée, qui contient des centaines et des milliards d'étoiles. Et Dieu contrôle toutes ces choses. Là où tu vois les étoiles, le soleil, la lune, les planètes. Ma planète. Et même la Bible dit, Dieu appelle chaque étoile par son nom. Il est tellement grand, tellement glorieux, tellement puissant. Alléluia.
Et le deuxième ciel, la Bible présente ce ciel comme étant le ciel astral. C'est comme le quartier général de puissance des ténèbres. C'est là où que Lucifer a établi sa base, son quartier général, depuis sa chute. Éphésiens chapitre 6, verset 12 nous dit: car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alléluia. Et les principautés. Il existe des esprits méchants qui sont là au deuxième ciel. Ah oui, et ils opèrent là. Leur but, c'est d'empêcher que nos prières montent. Leur but, c'est d'empêcher que les bénédictions de Dieu soient relâchées dans nos vies. Et dans la Bible, parmi ces esprits, je vous donne juste un exemple. La Bible parle d'un esprit qu'on appelle la reine du ciel, une entité qu'on appelle la reine du ciel. Jérémie chapitre 7 verset 18, la Bible dit: les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu, et les femmes pétrissent la pâte pour préparer les gâteaux à la reine du ciel. C'était une divinité, un esprit qui incarne une divinité qui est là au deuxième ciel, qui empêche nos prières de se manifester, et qui aussi est adoré. Cette divinité sont adorées, ces divinités sont adorées par dans certaines religions, et c'est là au deuxième ciel. Rappelez-vous quand Daniel a commencé à prier, l'ange a été envoyé pour répondre à la prière de Daniel. Mais cet ange avait été arrêté là, bloqué là, au deuxième ciel. On parle du chef des Perses et des Mèdes. Ce sont des esprits, des entités spirituelles dans le lieu céleste, qui des fois peuvent bloquer la progression, la bénédiction, la grâce que Dieu a libérée dans la vie des enfants de Dieu. Mais Daniel était à genoux. Daniel était dans la prière. Daniel a cherché Dieu comme tu cherches Dieu. Daniel a persévéré pendant 21 jours. Daniel a jeûné, Daniel a prié. Et par la prière et par le jeûne, Dieu a relâché Michaël. Et Michaël a libéré Gabriel. J'aimerais te dire, ta prière fait des dégâts dans le monde spirituel au deuxième ciel. Et tu vas encore faire des dégâts parce que les prochains jours et la semaine prochaine, ça va chauffer, ça va chauffer. Il va y avoir des dégâts, il va y avoir des catastrophes, il va y avoir des déménagements, il va y avoir des retournements des situations. Oh, je ne sais pas à qui je parle. Il va y avoir des visitations surnaturelles parce que nous sommes en train de percer le deuxième ciel au nom de Jésus. Et la Bible parle du troisième ciel. Le troisième ciel, c'est le paradis. C'est la demeure de Dieu. Oui, c'est là où vont les bienheureux après leur déménagement de la terre. Le lieu de félicité et le lieu de joie éternelle. Oh oui, la Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 12. Ah, j'aimerais qu'on puisse lire ensemble, c'est un texte que j'aime beaucoup. Le verset 1er au verset 4. On peut prendre juste le verset 2 à 4. La Bible dit: je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans ravi jusqu'au troisième ciel. Donc, la Bible précise, c'est le troisième ciel. Si c'était dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Mais Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais. Mais Dieu le sait.
fut enlevé dans le paradis et il entendit des paroles merveilleuses qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Alléluia. Dans ce ciel, c'est là où il y a la gloire de Dieu de manière palpable. Le ciel est le trône de Dieu. Dieu siège là. Et j'aimerais te dire, c'est là aussi vont toutes les personnes qui meurent en Christ. Ah, ils ne sont pas loin de Dieu. Ils ne vont pas loin de Dieu. Mais Dieu les amène dans ce lieu de félicité. Ils entendent des paroles tellement merveilleuses qu'il n'est pas permis à un homme d'écouter. Oh, c'est magnifique. Et j'aimerais dire à quelqu'un, ne rate pas le ciel. Si tu es ici, tu n'as pas encore l'assurance d'aller au ciel. Je te dis une vérité. Il n'y a pas deux solutions. Il n'y a pas trois solutions. Une seule solution, c'est Jésus-Christ. Tu dois ouvrir ton cœur et accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Parce que celui qui est le chemin, celui qui est la vérité et celui qui est la vie, il dit, nul ne vient au Père là dans le troisième ciel si ce n'est par moi. Jésus te donne accès au ciel. Y a-t-il des enfants de Dieu ici? Est-ce que des enfants de Dieu sont ici? J'aimerais te dire, tu es dans la joie. Tu dois être dans la joie. Même si tu n'as rien, sois dans la joie. Parce que ton ciel est garanti. Parce que tu as Jésus. Ton ciel est assuré. Parce que Jésus vit dans ton cœur. Ne l'abandonne jamais. Ne le laisse jamais. Ne sors jamais Jésus de ta vie. Il est la personne la plus importante de ta vie. Parce que avec Jésus, la Bible me dit, nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. C'est là que tu as la bénédiction. Ça commence là. Mais laisse-moi te dire, parce que tu es assis là-bas et que tu marches sur la terre, il faut qu'il y ait un transfert entre ciel et terre. Je ne sais pas à qui je parle ce soir. Je dis, tu es assis avec Jésus là au ciel, mais toi tu marches sur la terre. Au ciel tu es béni, au ciel tu as tout, au ciel tu ne manques de rien. Mais sur la terre tu manques de choses. Sur la terre tu as des défis. Voilà pourquoi aujourd'hui nous parlons de la saison du ciel ouvert, parce que la voie va s'ouvrir. Ah, je suis en train de dire à quelqu'un, la voie est en train de s'ouvrir pour que les bénédictions d'en haut deviennent palpables. Donne-moi un bon amen. Aujourd'hui tu vas toucher. Aujourd'hui tu vas recevoir ce que Dieu t'a promis, ce que Dieu t'a donné par sa grâce. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Il faut qu'il y ait un transfert de l'invisible vers le visible. Le troisième ciel, c'est le ciel de Dieu. C'est le ciel du surnaturel. Et il faut qu'il y ait une brèche. Parce que le deuxième ciel vient comme une voûte. Le deuxième ciel vient comme un obstacle. Les puissances sataniques. Je prie que Dieu ouvre les yeux de quelqu'un. Les yeux spirituels de quelqu'un pour voir ce réel. Le monde spirituel existe et le monde démoniaque existe, et ce monde travaille, il bosse pour fermer accès à nos prières. Mais le problème est lequel? Beaucoup d'enfants de Dieu donnent accès à l'ennemi. Voilà pourquoi leur ciel est fermé. Le ciel se ferme comment? Le ciel se ferme lorsque tu commences à désobéir à Dieu. Lorsque tu désobéis à Dieu, tu vas avoir un ciel fermé. Deutéronome chapitre 28, verset 23 nous dit ceci. Le ciel sur ta tête sera un ciel d'airain.
Tant tu n'obéiras pas à la voix de l'Éternel, tant tu ne craindras point Dieu, ton ciel sera fermé. Et quand le ciel est fermé, tu es soumis au défi des communs de mortels. Quand ton ciel est fermé, tu vis sous le poids de la maladie, de la condamnation. Quand le ciel est fermé, tu vis les difficultés et des échecs à répétition. Quand ton ciel est fermé, tu es sous la malédiction, tu es sous les souffrances, les angoisses, la détresse, la stérilité, bref, tout ce qui est négatif, ce sont les conséquences d'un ciel fermé. Un ciel fermé signifie que les forces du mal dominent. Un ciel fermé signifie que les puissances des ténèbres sont en train d'agir. Mais la Bible déclare que les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. J'aimerais dire à quelqu'un, dans cette nation, dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille, les ténèbres ne régneront pas toujours. Je dis bien les ténèbres ne régneront pas toujours. Si hier tu avais l'impression que la délivrance était retirée, tu ne voyais pas l'exaucement, si hier ta vie était dure, je t'annonce, parce que tu reviens à Jésus, parce que tu cherches que Jésus vienne et prenne la direction de toute ta vie, pas une partie de ta vie, mais l'intégralité de ta vie, ton ciel va s'ouvrir. Alléluia. Quiconque se livre au péché devient esclave du péché. La Bible dit ceci dans Lamentations 3, verset 44. Tu t'es enveloppé d'un nuage pour fermer accès à la prière. Dieu est celui qui écoute la prière. Il dit, tu es celui qui écoute la prière. Tous les hommes viendront à toi. Mais comment ça se fait que je prie, mais le ciel est fermé? Je prie. Jeudi après jeudi, je suis là. Mercredi, je suis aux enseignements. Dimanche, je suis au culte. Mais j'ai l'impression que ma vie est comme statique. Ah, regarde quelque part. Il y a eu certainement une désobéissance. Il y a eu quelque part l'incrédulité. Mais j'aimerais te dire, si tu crois que Jésus est là et que Jésus est ici, Jésus est le seul qui a ouvert le ciel et qui peut continuer à ouvrir ton ciel. Est-ce que tu m'entends? Je dis, Jésus seul est celui qui a ouvert le ciel et qui continuera à ouvrir ton ciel. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque Nathanaël est venu voir Jésus, on lui dit, et Jésus le regarde et dit, oui, c'est un juif en qui il n'y a point de fraude. Nathanaël dit, oh oui, je crois, tu es le Messie, le Fils de Dieu. Jésus dit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Mais désormais, il dit à Nathanaël, désormais, vous verrez le ciel ouvert. Aide-moi à dire à ton voisin, à partir de Jésus, le ciel n'est plus fermé. Parle à ton voisin, dis, à partir de Jésus, le ciel n'est plus fermé. C'est pour ça que je posais la question, qui a reçu Jésus ici? Donc, parce que tu as reçu Jésus, j'aimerais te dire, désormais, ton ciel est ouvert et les anges montent et descendent. Et les anges, c'est eux qui apportent les exaucements. Non, nous sommes dans un temps d'exaucement. Il y a des anges de Dieu. Là où tu pries, là où il y a Jésus, il y a les anges de Dieu. Ce sont les serviteurs de Dieu. Ils sont invisibles. On ne les voit pas. Mais Dieu qui est assis sur son trône, il donne un ordre. Je vis ma fille Antoine, Antoinette. Je vis mon fils Jean. Je vis ma fille Sophie. Ange, amène l'exaucement de sa prière. Aujourd'hui, tu sortiras avec un exaucement. Parce que le ciel est ouvert et Dieu t'amène quelque chose que tu attends. Si c'est de toi qu'il est question, dis, je reçois. Fais comme ça. Aujourd'hui,
La Bible dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Fais comme ça. J'arrache. Qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Depuis Jésus, le ciel est ouvert. Bien aimé dans le Seigneur. Je disais que le péché ferme le ciel. À chaque fois que tu vis dans la rébellion, ton ciel se ferme. Il se fait que certains réalisent que je vis sous un ciel fermé. Il fut un temps où je me disais, Seigneur, j'ai l'impression que mon ciel est fermé. J'ai l'impression que Dieu visite tout le monde autour de moi, mais c'est l'impression qu'il ne me regarde pas. C'est pour toi que je suis venu aujourd'hui. Autour de toi, tu vois le mouvement. Mais ton tour est arrivé. Ton tour est arrivé. Même si tu avais péché hier, même si tu avais fait de mauvaises choses hier, Dieu ne te condamne pas. Dieu dit ceci: si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne des mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je suis venu te dire ce soir, affile la cité d'exaucement, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Tu vas recevoir ce que Dieu a réservé pour toi. Et quand Jésus est venu, le ciel était fermé. Entre Malachie et la venue de Jésus, 400 ans, ciel fermé, il n'y avait rien. Sécheresse, pas de vision. Pas de révélation, pas de visitation divine. Mais un jour, dis avec moi, un jour, Dieu va se souvenir de moi. Et ce jour-là, c'est aujourd'hui. En ce temps-là, Dieu s'est souvenu de son peuple. Au temps marqué, Dieu envoya son fils, né d'une femme et né sous la loi, pour racheter ce qui était sous la loi. Jésus-Christ, à l'âge de 30 ans, il vient voir Jean-Baptiste, qui prêchez le baptême de la repentance. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Tu ne peux pas avoir un ciel ouvert sans la repentance. Tu dois accepter tes péchés. Tu dois avouer tes péchés. Tu dois demander pardon. Et tu dois les abandonner. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Ah, Jésus est venu. Non pas parce qu'il était pécheur, mais parce qu'il a pris la forme d'un homme. Lui qui n'avait pas connu de péché, Dieu l'a fait pécher afin que nous soyons justice en Dieu. Il est venu prendre notre place. Il est venu chez Jean-Baptiste. Pas parce qu'il devait être baptisé, parce qu'il était pécheur, mais pour montrer le chemin de la repentance qui donne accès au royaume des cieux. Jean le voit, Jean refuse de le baptiser. Jean dit, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et toi tu viens vers moi. Jésus dit à Jean, laissons faire ce qui est juste, ce qui est convenable, et Jean ne lui résista pas. Jean va prendre Jésus, Jean va baptiser Jésus. Pendant que Jésus était baptisé, la Bible dit que Jésus a fait un exercice qu'on appelle la prière. Pendant qu'il priait, pendant qu'il était à jeudi d'exaucement, pendant qu'il était à un temps d'exaucement, il priait. Et tout à coup, la Bible dit que le ciel s'est ouvert. Le ciel s'est ouvert. Et le Saint-Esprit est descendu sur lui, sous une forme corporelle, comme une colombe, et une voix a parlé depuis le ciel: celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Jésus est venu inaugurer la saison du ciel ouvert. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, parce que je suis en Jésus, mon ciel est ouvert. Oh, tu dois le déclarer: je suis en Jésus, mon ciel est ouvert. Mon ciel est ouvert. Mon ciel est ouvert.
Alors je vais finir par ceci. Il y a quatre choses à faire si tu veux demeurer dans la saison du ciel ouvert. Tu vas lire Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 1 à 4. Actes 10, 1 à 4, on nous parle de l'histoire de Corneille. Quatre choses qu'il faut faire. La première des choses, si tu veux vivre, demeurer, tout faire sous un ciel ouvert, garde l'humilité. L'humilité est la première clé. La première clé pour vivre sous un ciel ouvert. Pourquoi? Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Et il fait grâce aux humbles. Ah, que Dieu te donne un cœur d'humilité. Pourquoi est-ce que Jésus a vu un ciel ouvert? La Bible dit qu'il s'est humilié. Il a pris la forme de l'homme. Il est venu. Il s'est, comme un serviteur, comme un simple homme. Il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. C'est pour cela que Dieu l'a élevé. Si tu veux vivre un ciel ouvert, reste dans l'humilité. C'est pour cela qu'il est dit aussi, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, première condition, s'humilie avant de prier. Humilie-toi avant de prier. Reconnais que tu n'es rien. Reconnais que tu ne peux rien. Reconnais que ce n'est pas ta prière qui va te donner. Reconnais que la source, c'est Dieu. Ah, j'aimerais dire, c'est Dieu qui est la source. Et il fait tout ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, avec qui il veut. Il est un Dieu souverain. Il n'a de compte à rendre à personne. Donc maintenant, il y a des gens qui donnent des ultimatums à Dieu. Seigneur, si tu n'agis pas, j'arrête de prier. C'est de l'orgueil. Si tu ne fais pas aujourd'hui, tu feras demain. Ah, si il n'a pas fait lundi, il fera mardi. S'il n'a pas fait mardi, il fera mercredi. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un, s'il n'a pas fait mercredi, samedi ou dimanche. J'aimerais te dire, avant la fin de l'année, tu verras Dieu agir dans ta vie. Humilie-toi. L'humilité ouvre le ciel. Dieu dit à Daniel, depuis le jour où tu as compris, tu as eu à cœur et tu as compris, tu as eu à cœur de t'humilier, ta prière a été exaucée. Donc avant que la prière ne soit exaucée, il fallait d'abord que Daniel s'humilie. Jésus, avant que le ciel s'ouvre, il s'est humilié sous le ministère de Jean-Baptiste. Ne sois pas un orgueilleux. Ne sois pas une orgueilleuse. L'humilité précède la gloire. Je vois un homme humble ici. Je vois une femme humble ici. Marche dans l'humilité. Dieu va te surprendre. Dans cette saison, Dieu va te surprendre. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Deuxième chose, si tu veux voir le ciel ouvert, tu dois marcher dans la crainte de Dieu. Corneille craignait Dieu. Il n'était pas juif, c'était un romain, mais qui avait la crainte de Dieu. La Bible dit que c'était un homme pieux. La crainte de Dieu, c'est quoi? C'est la haine du mal. Craindre Dieu, c'est fuir le mal. Craindre Dieu, c'est haïr tout ce que Dieu est. Craindre Dieu, c'est aimer ce que Dieu aime. La Bible dit, abstenez-vous de toute espèce de mal. Le ciel ne s'ouvre pas avec une vie de mélange. Dieu est un Dieu de pureté. Dieu est un Dieu de sainteté. La crainte de Dieu débloque les situations difficiles. La crainte de Dieu débloque des situations impossibles. Parce que rien ne manque à ceux qui le craignent. J'aimerais te dire, rien ne va te manquer. Alléluia. Tu dois marcher dans la crainte de Dieu. Arrête de tomber dans le péché. Arrête de blesser le cœur du Seigneur. Arrête de justifier le mal.
Reviens à la crainte de Dieu. Dieu aime la pureté. Dieu aime la sainteté. La Bible dit ça, la sanctification. Personne ne verra Dieu. Tu veux voir Dieu aujourd'hui? Sanctifie-toi. Bien-aimé, si tu te sanctifies, même si tu ne vois rien aujourd'hui, laisse-moi te dire, ce n'est qu'une question de temps. Tu sais pourquoi? Parce que la Bible dit, encore un peu de temps, vous verrez de nouveau la différence entre le juste, est-ce que je parle à quelqu'un, et le méchant. Vous verrez la différence entre ceux qui craignent Dieu et ceux qui ne le craignent pas. Toi qui crains Dieu, je t'annonce de la part de Dieu, ton ciel est ouvert et Dieu va t'élever. Dieu va t'élever. Dieu va te distinguer. Dieu va te protéger. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. Tu ne tomberas pas. J'aimerais dire à quelqu'un ici, tu ne tomberas pas dans les pièges de l'ennemi. Dieu enverra ses anges. Dieu te protégera. Ah, les gens qui ont fait des complots contre toi, j'aimerais dire à quelqu'un, 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite, et tu ne seras jamais atteint. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Ils vont te mettre des crocs en jambes pour que tu tombes. Tu ne tomberas pas. Tu seras debout. Je dis tu seras debout. Même si tu étais tombé, la Bible dit le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Amen. Dieu va commencer à taper tes adversaires. Tous les sorciers qui te combattent la nuit, ils vont avoir des chicottes, ils vont avoir des baffles. Dieu doit le... C'est pour ça que quand tu dors, il faut demander à Dieu le ronflement. C'est la preuve que je dors. Quand ils amènent des flèches, j'aime la chanson de Maman Nadège là. Tu vois non? Tu vois la chanson là? La chanson de Maman Nadège là. Yeah, 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 yeah. Hey, 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 hey. Tu vois non? Toi tu es en train de dormir. Ils disent on va le tuer. Toi tu ne sais pas. On dit on va l'empoisonner. On va lui faire ceci. Ah, bambounanayo. Tes adversaires sont nombreux. Mais il y a la main de Dieu. La main de Dieu. Je dis à quelqu'un la main de Dieu. Parce que tu le crains. Ils ne te toucheront pas. Ils ne t'auront pas. Je dis à quelqu'un, tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. La crainte de Dieu, c'est notre bouclier. Je t'encourage, crains Dieu. Tu ne sais pas. Ton ciel est ouvert. Quand le ciel est ouvert, Dieu te bénit. Mais quand le ciel est ouvert, le ciel s'ouvre aussi pour que Dieu frappe les ennemis. Je suis en train de voir Dieu en train de frapper tous tes ennemis. Ils vont commencer à tomber un à un. Troisième chose, la prière. Comme tu fais. Quelqu'un dit, la prière est une licence terrestre pour une interférence céleste. Tu as l'autorisation sur terre de faire bouger le ciel. Tu ne sens rien. Tu ne vois rien. Élie priait. Il ne voyait rien. Mais il y avait un bruit qui annonçait la pluie. Je suis en train de dire à quelqu'un en esprit, il y a un bruit qui annonce la pluie. Ézéchiel prophétisait. Il ne voyait rien. Mais pendant qu'il prophétisait, dans l'esprit, il y avait un bruit.
Il y avait un bruit. Les ossements desséchés se remettaient en place. Je me dis, pendant que tu pries, les choses sont en train de bouger. Les choses sont en train de bouger. L'exhaustion est en train d'arriver. D'ici quelques minutes, tu vas toucher. Tu vas toucher. Est-ce que je m'adresse à qui? D'ici quelques minutes, tu vas toucher. C'est en train d'arriver. C'est en train d'arriver. C'est en train d'arriver. Prie encore. Prie encore. La prière, c'est ça qui ouvre le ciel. Dernière chose. Corneille a fait des aumônes. Makabo. Les sacrifices. Bambeka. Les offrandes sacrificielles. Bien-aimé, lorsque tu associes la crainte de Dieu à l'humilité, à la prière et l'habitude d'ajouter une offrande, je n'ai rien compris dans la Bible. Depuis Genèse, Dieu aime les offrandes. Dieu a frappé la terre par le déluge. Noé discerne qu'il faut bâtir un autel. Et il prend les bêtes pures, il sacrifie dessus. Dieu sent l'odeur. Dieu est esprit. L'odeur est physique. Comment est-ce que le Dieu esprit peut entendre, le sentir l'odeur? Dieu sent l'odeur des offrandes. Dieu dit, j'agrée. J'exauce. Agréer, c'est exaucer. Aujourd'hui, ton offrande va être agréée. Aujourd'hui, j'agrée. Aujourd'hui, j'agrée. Aujourd'hui, j'accepte. Noé, à partir d'aujourd'hui, je signe un décret. Plus jamais je ne détruirai la terre par le déluge. L'offrande d'une personne, j'aimerais te dire, ton offrande va mettre fin à la malédiction générationnelle. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ici? Ton offrande associée à l'humilité, à la crainte de Dieu, à la prière, va pousser Dieu à dire, plus jamais il y aura de célibat dans cette famille. Plus jamais il y aura de pauvreté dans cette famille. Plus jamais il y aura de stérilité dans cette famille. J'annonce une saison d'exaucement, une saison de percée au nom de Jésus. Lève-toi maintenant, commence à clamer le Seigneur. Je voudrais prier avec toi. Alors que le ciel est ouvert, commence à frapper tes mains. Et j'aimerais te dire ceci. Tu vas dire à Dieu aujourd'hui, viens me toucher. Prie avec moi, prie avec moi. Alors que la chorale monte avec moi, prie avec moi. Dis aujourd'hui, aujourd'hui, mon ciel est ouvert. Mon ciel est ouvert. Mon ciel est ouvert. Mon ciel est ouvert. Commence à le déclarer. Commence à le déclarer. Rekata mandara sharabaya bro. Rege yamandere bosse nere bokori yamama sikata. Le kreskata mandara maye katabaya ba. Rekata mandere bosse kaya baba baba. Déclare, mon ciel est ouvert. Mon ciel est ouvert. Prie avec moi, prie avec moi. Il y a quelque chose ce soir. Je veux prier pour quelques cas. Il va y avoir des déblocages. Le Saint-Esprit va visiter quelques personnes. Je vois la gloire de Dieu qui est en train d'arriver en ce lieu. Je te dis la vérité. Prie pendant deux minutes, s'il te plaît. Prie. Sois connecté au Seigneur. Aujourd'hui, tu es venu pour que Dieu te touche. Pour que Dieu t'exauce. Que Dieu te visite. Qui visite ta maison. Qui visite ta famille. Qui visite notre église. Pendant que je priais, pasteur, c'est comme ça que je t'ai envoyé le message tout de suite. L'Esprit de Dieu m'a dit, je suis en train d'emmener mon église, cette église, dans une nouvelle dimension, une nouvelle phase, une phase d'accélération. Ça sera l'accélération pour gagner des âmes, l'accélération dans les implantations, une accélération dans la visitation divine, une accélération où Dieu va faire, il va découvrir des gens qui sont là, qui ont des talents, des dons, des potentiels, mais qui sont encore cachés. Dieu va les exposer. Dieu va les mettre en avant. Dieu va les mettre à la lumière. Des hommes et des femmes qui craignent Dieu, qui sont loyaux, fidèles. Parce que Dieu veut étendre
contre cette œuvre. Et il ne peut pas avoir expansion. Il ne peut pas avoir extension si le ciel n'est pas ouvert. Et c'est la saison maintenant. Oh, prie avec moi pour ta vie. Prie. Lève tes mains maintenant, lève tes mains. Saint-Esprit de Dieu, j'ai obéi à ta voix. J'ai annoncé ta parole selon que tu me l'as donné et permis. Je prie maintenant que ton esprit vienne sur ton peuple, sur ton église. Maintenant, il y a des personnes ici qui vont recevoir le Saint-Esprit, une portion de gloire de Dieu, une portion de l'onction de Dieu, le Saint-Esprit. Il y en a assez, ça va être des déblocages, d'autres, ça va être des explosions de la grâce de Dieu. Lève simplement ta main, lève simplement ta main. Le Saint-Esprit est en train de venir en ce lieu. La puissance de l'Esprit descend en ce lieu. Dieu veut susciter une armée d'intercesseurs. Des intercesseurs prophétiques. La gloire de Dieu, alors que ma main est levée, vient sur vous. Recevez une nouvelle dimension de l'onction. Il y a comme des manteaux. Si tu es là, tu as cet appel à être sentinelle, à être intercesseur, un intercesseur, une intercesseuse dans la dimension prophétique. Voici l'esprit. Aidez-moi s'il vous plaît. Voici l'esprit. Il vous touche. Il y en a ici, Dieu est en train d'ouvrir leurs yeux spirituels. Tes yeux étaient comme fermés. Dieu ouvre tes yeux. Tu vas voir clair dans le monde spirituel pour que tu orientes bien tes prières. Dieu ouvre tes oreilles spirituelles. Maintenant. Saint-Esprit, où sont-ils? Où sont les sentinelles? Tous les infiltrés seront démasqués. Tout ce que l'ennemi a infiltré pour pouvoir arrêter, freiner l'œuvre de Dieu, le feu de Dieu. Le feu de Dieu vous consume maintenant au nom de Jésus. Que Dieu réveille, que Dieu oigne, que Dieu suscite tous ses intercesseurs et ses intercesseuses. Prenez l'esprit. Il y en a qui vont commencer à prophétiser. L'onction de Dieu vient sur eux. L'esprit de Dieu vient sur eux. La main de Dieu vient sur eux. Où sont-ils? Où sont les Ézéchiel? Où sont les Jérémie? Où sont les Daniel? Où sont les Moïse? Où sont les Élie? Où sont-ils? Et Rema Shakata Yavraka. Korobo Soto Yoto Robo Kotemaya. Et Karama Sekata Yababa Baba. Et Karama Sakete Kayabra. C'est trop fort. Pasteur, c'est trop fort. La main de Dieu est ici. Je sens la main de Dieu ici. La gloire de Dieu est en ce lieu. La gloire de Dieu est ici. Oh mon Dieu, il est en train lui-même de toucher. Le Saint-Esprit lui-même est en train de toucher. Il est en train de toucher. Voici l'Esprit de Dieu pour ta vie. Prends la part de Dieu. Le ciel est ouvert pour toi. Reçois ta part. Toi qui es appelé à servir Dieu, reçois l'esprit pour toi, reçois l'onction pour toi, reçois le manteau pour toi. Dieu va t'utiliser dans la guérison. Dieu va se servir de toi dans la guérison des malades.
Voici la gloire de Dieu. Elle arrive sur toi. Elle te touche. 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 Tambra katakaya brosete ya mama mama mama. Il y en a qui sentent comme si on est en train de tremper leur corps dans l'eau. D'autres peuvent sentir comme des fourmillements. Oui, c'est l'Esprit de Dieu, l'onction de Dieu. Même si tu ne sens rien, ça ne veut pas dire que Dieu ne te visite pas. Tu lèves simplement tes mains. Prends la part de Dieu. Pour ce soir, pour ce soir, pour ce soir, reçois la visitation. Reçois la visitation. Toi qui es captif, l'esprit malin te lâche. L'esprit malin te lâche. L'esprit malin te lâche. Tout envoûtement est brisé. Tout envoûtement est brisé. Toute maladie est détruite. Si quelqu'un est malade, pose la main là où tu as mal. Si tu es malade, pose la main là où tu as mal. Posez la main là où vous avez mal si vous êtes malade. Les douleurs au niveau du cœur est en train de disparaître. La puissance de Dieu vous touche maintenant. Vous tous qui êtes malades, alors vous avez posé votre main. Que la main de Dieu vous touche maintenant. Alors que je parle, que la main de Dieu vous touche maintenant. Et la main de Dieu vous guérit. La main de Dieu vous guérit. Maladie sortez. Maladie sortez. Allez dans les lieux arides. Au nom de Jésus. Le ciel est ouvert. La guérison de Dieu. La restauration de Dieu, la bénédiction de Dieu est ton partage. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Sautez, sautez, allez dans les arides. Soyez guéris, soyez restaurés, soyez libres. Au nom de Jésus, acclame le Seigneur très fort. Nous voulons prendre quelques trois minutes pour faire des déclarations. La Bible déclare, la parole est dans ta bouche et dans ton cœur, c'est une parole de foi que nous proclamons. Ce que tu déclares, crois que tu es en train de les créer par ta bouche. Parce que tu ne déclares pas ta parole, mais tu déclares la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est esprit et vie. Et Dieu a la capacité d'appeler à l'existence des choses qui ne sont point comme si elles étaient. Et il est capable de donner vie aux morts. Oh, alors que tu es en train de prier le Seigneur, en train de battre tes mains, déclare avec moi. Je déclare. Dis, je déclare. Aujourd'hui, c'est la saison du ciel ouvert pour ma vie. Aujourd'hui, je déclare la saison de l'exaucement de toutes mes prières. Au nom de Jésus, je déclare la saison des grâces divines, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu. Je veux trouver grâce aux yeux de Dieu. Oh oui, Dieu me fait grâce à partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, je déclare la saison des dons parfaits, tout don parfait et toute grâce excellente. Descends en haut du Père de lumière. Je déclare ma vie, sort de la pauvreté, sort de la médiocrité. Ma vie entre dans la gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Ma vie entre dans l'excellence à tous les niveaux. Je reçois la faveur d'en haut, la faveur d'en bas, et je reçois le double au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Je déclare la saison d'accélération. Les choses vont prendre une nouvelle vitesse. Une grande vitesse d'accélération, d'expansion divine, d'augmentation. Au nom de Jésus, le ciel est ouvert. Dieu me fait entrer dans une autre dimension. Quand Jean a vu le ciel ouvert, Dieu lui a dit, monte ici,
et je te ferai voir les choses qui vont arriver. Je suis en train de monter. Je suis en train de monter dans une autre dimension. Et je veux voir les grandes choses. Au nom de Jésus, j'entre dans la saison des faveurs, des bénédictions, des richesses, de puissance, d'autorité. Je marche sur les serpents. Marche sur les serpents. Je marche sur les scorpions. Je marche sur les scorpions. Et sous la puissance de l'ennemi, rien ne peut me nuire. Au nom de Jésus, je déclare la saison des transferts de richesses. Les richesses d'en haut viennent maintenant. Viennent maintenant. Viennent maintenant. Au nom de Jésus, je déclare la saison de la grande moisson, la moisson des âmes, la moisson des âmes, l'implantation des églises, la formation des disciples. Au nom de Jésus, la saison d'abondance, d'abondance, finis la misère, j'entre dans l'abondance. Jésus me donne la vie. Et la vie en abondance. Au nom de Jésus, j'entre dans la saison du surnaturel. J'entre dans la saison de facilité. Très peu d'efforts, beaucoup de résultats. Au nom de Jésus, acclame le Seigneur. J'entre dans la saison. J'entre dans la saison des ouvertures spirituelles. Des ouvertures surnaturelles. Après ce culte, les portes fermées s'ouvrent. Jésus a la clé de David. Il dit quand j'ouvre, personne ne fermera. Ce soir, Jésus ouvre la porte de la santé, du travail, du mariage, du succès, de la bénédiction, de la faveur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je monte dans les hauteurs. Je veux plus haut. Je réalise ma vision. J'accomplis mes rêves. Avec Jésus. Avec Jésus. C'est la saison de l'exaucement. C'est la saison de l'accomplissement. Avec Dieu, je fais des exploits. Enfin, c'est la saison du ciel ouvert. Jésus est au centre. Jésus est au cœur. Jésus est au centre de ma vie. Acclame Jésus très fort. Ne l'oublie jamais. N'abandonne jamais Jésus. Aime Jésus plus que tout. Crains-le plus que tout. Serre-le de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Leur vient et elle est déjà venue. J'annonce à quelqu'un aujourd'hui.